Bon, on est reparti. On a mangé un petit Hector Chicken. Vite fait, j'avais pas vous filmer ces conneries. Bon, voilà, là on va visiter quel parc? Je sais pas comment il s'appelle le parc, c'est juste un petit village au milieu. Et comment ça s'appelle? Pueblo, le Pueblito Paisa. Voilà, on va aller un peu se balader en somme, en amoureux. Sur l'avenue, le cœur à l'inconnu. Felipe Peláez. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Alors, tu nous expliques? On doit monter tout ce bordel pour arriver, et puis encore monter. On doit arriver là. Et quand on voit l'état de la montée, ça veut dire qu'on va éliminer les conneries. On va éliminer le petit Hector qu'on vient de manger. C'est parti. Ah, les mollets. Les jambes, ça va bosser. Je suis déjà mort. Un peu plus. Fils de pute. Qui ça? On a dû prendre un taxi. Mec, jusqu'au boutisme, la victoire sera plus grande quand on y arrivera. Bon, j'exagère. Arkasoux. Petite vue sympa. Nous allons voir ça. Il y a une bombe qui arrive. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú. Muy bien. Sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Conmigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Pause. Je me pose parce que la scène suivante, en fait, c'est un petit monologue de ma part sur la partie 2. Donc, si tu n'as pas vu la partie 2, je t'invite à la regarder maintenant. Sinon, tu vas rien comprendre. Parce que de base, j'étais pas censé faire plusieurs parties. Mais comme j'ai vu qu'il y avait full, ben, j'ai préféré couper en plusieurs parties la journée. On peut reprendre le vlog. Désolé du dérangement. Alors là, on vient d'arriver. Petit peu blito, on se pose parce qu'on doit récupérer, surtout lui. Je vais vous parler un peu de ce qu'on a vu ce matin. Nous avons été visiter les barrios, donc les favelas. Favelas, c'est plus un terme brésilien. Et donc, on a emprunté un métro câble. Donc, ça a été créé dans les années 90 par une société française. Ça a permis aux pauvres, à ceux qui vivaient à l'époque dans les villages, et c'était dans les années 90, donc à la période des Escobar, donc dans les barrios, ça a permis une connexion entre le centre de Medellín et les pauvres. Et donc ce télécap, ça leur a permis et surtout aidé aux pauvres de venir dans le centre, donc pour soit visiter la famille, soit faire du shopping, ou soit travailler, étudier. Petit à petit, beaucoup de touristes ont voulu visiter surtout les favelas de Barrios et donc ont emprunté ce métro câble. C'est ce qui a fait que maintenant on trouve pas mal là-haut de petits commerces qui ont ouvert parce que justement ils ont compris que beaucoup de touristes venaient visiter et donc il y avait de l'argent à se faire. Et à un moment donné, on se disait, Farkas et moi, on se sentait un peu mal à l'aise parce que c'était un peu effet zoo comme ça. On regardait les pauvres, on prenait des photos, des vidéos. C'était un peu le zoo, les animaux, les riches qui venaient visiter les pauvres. Enfin, voilà. Comment dirais-je? Je me suis senti mal en fait. Je me suis dit, bah moi je viens d'Europe, j'ai entre guillemets aucun souci. Et moi je viens les visiter comme des animaux alors qu'eux, bah, ils n'ont rien demandé, ils font juste leur life. Ils s'en foutent, ils nous emmerdent en fait. Et donc voilà. C'est un bâtard.
Il vient de dire qu'il regardait pas mes vidéos. C'est un mytho. Mytho. Farkas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ce qui est bien, c'est que, ouais, parce qu'on se rend compte que s'il faut faire tout ça à pied ou en vélo, c'est un peu compliqué. Ils n'ont forcément pas les moyens de s'acheter tous une voiture ou une moto. Même si je ne sais pas si on peut se balader en voiture là. Donc, ouais, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Et en plus, ça rapporte du fric, puisque tous les touristes viennent visiter ça. Donc, c'est double coup gagnant. Et puis, on a pu visiter quasiment tout, même là, une espèce de forêt de haut, comme ça, comme si on était en hélico en fait. Donc c'est bien. C'était beau à voir. Et sur l'histoire. Apparemment, ouais, ce que j'ai lu, c'est des Français qui ont c'est le même système qu'il y a dans les stations de ski, en fait, certaines en France. Et voilà, je crois que c'était construit il y a une vingtaine d'années, je pense, d'après ce que j'ai lu. Et ça a ramené plein de touristes. Avant, on m'a dit qu'il y a une cité à Sacré-Nier. C'était un peu genre Molenbeek. Maintenant, c'est une des villes les plus visitées en Colombie. Et est-ce que pour l'instant, tu ressens le danger? Danger narcos? Non, vraiment pas. On est passé en certains quartiers à Cali. Moi je me disais ça a l'air craignos. Ici aussi quand on était en haut là ça avait l'air craignos, mais de là me sentir en danger, je sais pas. Ah, parce qu'on a voulu un peu se balader dans la favelas, un barrios. Et il y a un moment on s'est dit ouais, on fait pas les malins quand même. Ouais. Donc on a fait vite demi-tour. Bah, il y avait plus de touristes donc on s'est dit c'est peut-être pas ici qu'il faut être. Ouais. Il n'y avait pas de flics non plus donc voilà. D'ailleurs c'était bizarre, on n'a pas vu de flics là en haut. Il y en avait un qui était dans notre cabine, mais ouais, on n'a plus vu, il a disparu. Il a disparu. Donc maintenant, on vient d'arriver au petit Pueblito, là. Ouais, on va un peu visiter ça. De mí tú te enamorarías. Fui tu confidente, el que secreto más sabía de ti. Sí, sí. Pero a quien quieres mentir, dime. Tu molde se perdió, solo te hicieron pa' mí. En nuestra historia solo hubo un mínimo error: ser tu confidente y meterle al corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. Podemos hacer amigos solos en mi habitación. Tú sabes, baby. Y sigo pensando en ti. Y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan. Putain, j'avais pas vu ce chien, parce que ça m'a fait peur. J'ai peur maintenant. Arrête. Mais casse-toi, tu gênes. Attention ici, danger. Non. Danger. Putain, il doit en avoir plusieurs. Ils sont jamais seuls. C'est quoi ça, une bourgade? Vas-y, avance, tu veux la... Attention, ouais. Danger. Non. Et... Putain, c'est... Il a fait ce qu'on a là? Putain, arrête. Il a peur. Hypnotisme. Bah, à ton avis. Je fais quoi, hein? Je fais pour Samy, parce que c'est ma fan numéro 1. C'est seul pour l'instant. Donc c'est un peu facile. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Tu amigo, princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Por siempre, si tú estás cerquita, siento un no sé qué. Contigo se me acelera el corazón. Ay, qué rico. Y cuando te ser tu confidente y meterle el corazón. Es que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Podemos hacer amigos.
estamos solos en mi habitación. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Y yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo, babe, nuestros días de amistad. Yo, esto es una historia real, mi amor. Tú sabes que te estoy hablando a ti. Me hago en tus mares, mamacita. Dice: hoy pienso que ella me ama, porque amanezco en su cama. Van varias noches de eso, creo que la mata mi beso. Siento que puedo nadar, flotando entre sus piernas como dulce el mar. Siento que en sus aguas puedo navegar. Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar. Yo no necesito un GPS pa' llegarte siempre donde estés. Déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 10. Yo no... Voilà, il est 6h30, il fait noir. Ici c'est direct. 6h30, il fait noir. Il n'y a pas de ces questions à se poser. 6h30, c'est la nuit. Là, on rentre à l'hôtel. On prend le métro. On va se poser à l'hôtel. Tranquille. Et il y en a assez. 2 hours later. Bon, là, on sort. On va dans un quartier où il y a apparemment beaucoup d'animation. Là, on est en train de chercher notre Uber. Ah, Farkas l'a trouvé. Donc, on va monter. Bon, ici on est sorti dans le parquet Hiera, c'est un petit quartier où il y a beaucoup d'animation. Là on est dans un petit resto mexicain. Et on va manger. Moi je suis claqué, je suis mort. Il n'y a pas fou de monde, on est mercredi. Bon, il y a quelques personnes, mais voilà. C'est dommage. Ici la musique elle va trop fort pour moi, c'est insupportable. De la mañana, sé que tiene ganas, pero me lo mama. Me lo mantiene contenta. En su mente siempre hay malos pensamientos. Con un beso siempre me roba el aliento. Entre vinos y esposas, ella es peligrosa. En San Valentín pide látigo en vez de rosa. Retour à l'hôtel. Moi j'ai rien mangé, c'était affreux, dégueulasse. Il y avait trop. J'ai goûté le burger de Farkas, il était dégueulasse aussi. Après, on n'a rien fait de spécial. On a fait un petit tour, on a marché. Mais ça avait l'air d'être un quartier tranquille. Surtout quand vous allez le week-end, le samedi, le vendredi, samedi. Il y avait pas mal de bars, pas mal de bons sons. On a une grosse journée. Donc je pense que ce vlog, ça va être full. Je vais peut-être faire en deux parties, je sais pas. Là, je vais monter. Farkas, il va dormir. Voilà, grosse journée. On a vu beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Fort intéressantes. Et on est claqué. Allez. Je suis claqué. Je veux quitter cette ville. Voilà, on se voit demain. Bisous.